Bonjour, écoutez, je suis vraiment content qu'on redémarre une année pour ceux qui l'ont arrêté avec ce colloque, hein, qui, après ces journées, en fait, ce sont des journées qui sont, comme vous le savez, organisées en l'honneur du 20e anniversaire du Frénois. Alain Flacher vous en dira plus dans un instant, et en résonance avec l'exposition Le rêve des formes. Accueilli pour quelques jours encore, vous avez encore une chance de la voir si vous ne l'avez pas vue, par Jean de Loisy au Palais de Tokyo. Jean de Loisy, je voudrais vraiment remercier. Ces journées et l'exposition, tout aussi bien, posent la question de ce qui peut réunir ou distinguer, voire irrémédiablement séparer, les arts et les sciences. Du côté de l'art, les choses sont simples, si j'ose. Même si les artistes font appel aux technologies et matériaux contemporains, voire aux idées scientifiques nouvelles, même si on peut imaginer un art sans sujet, on ne mettra que rarement en doute l'importance du sujet dans la création artistique. Une œuvre d'art est presque toujours l'œuvre d'un artiste, même s'il s'agit d'un ready-made, et celui qui l'aperçoit le fait aussi en tant que sujet. S'il s'agit d'autre chose que d'art décoratif, les résonances vont au-delà de ce qui est objectivement vu, entendu, touché ou senti, ce qui rend toute œuvre d'art inépuisable. C'est même peut-être à cela qu'on les reconnaît. On ne voit, lit, entend, touche jamais deux fois la même œuvre. La question est évidemment différente pour les scientifiques, qui, depuis Galilée et le grand livre de la nature écrit en langage mathématique, déchiffrent le dit livre sans que le sujet n'intervienne autrement que par son habileté de déchiffreur. La vérité est dévoilée et existe indépendamment du sujet qui la dévoile, puisque c'est la nature qui se dévoile. L'allégorie, excusez-moi, a traversé le 19e siècle et reste bien vivante, même si on doit le constater, le voile montre parfois plus que le dévoilement. Et mieux, je dirais. Dans la conception moderne qui est la nôtre, il ne saurait donc y avoir de sujet de la science, au sens où il y a des sujets en art. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ego, vous l'aurez remarqué. Dès lors, le rapport entre art et science pourrait se résumer à la beauté objective, à la production d'une science décorative, d'objets scientifiques qui atteindraient un statut artistique. On ne doit pas alors s'étonner des concours de photographie scientifique qui sont autant de concours de beauté, dans le style l'embryon vue d'avion. Mais est-ce vraiment si simple? Parlez à un mathématicien, il vous dira que la démonstration est belle, le plus souvent parce que parcimonieuse. Quels sont les rôles dans la découverte scientifique, toutes disciplines confondues, de l'intuition, de l'imagination, du caractère, du style, ces qualités littéraires qui précèdent la consolidation purement logique qui nécessairement suivent. Ce qui, évidemment, distingue les sciences de l'art. L'a-t-on remarqué? Relisez, pour prendre dans mon panthéon personnel, Darwin, Bernard ou Turing, les plus grands savants se posent plus souvent la question de « comment ai-je trouvé ?» qu'ils n'édictent des recettes pour trouver. S'il y en avait, ça se saurait. Voir l'invisible sous le visible, écrivait François Jacob. Voir au-delà du visible. Et c'est précisément là, quand nous parlons d'intuition ou d'imagination, qu'il nous faut nous tourner vers la question du langage. Je ne l'ignore pas, il est commun dans certains cercles, y compris certains cercles philosophiques, de proclamer que seuls sont scientifiques les pensées mathématiques, repoussant par là le rôle du langage naturel, soit aux commodités de la conversation, donne-moi le beurre, je te passerai le sel, soit aux œuvres poétiques au sens large. Mais c'est d'une part décréter un peu rapidement que les mathématiques ne sont pas une langue, et de l'autre, oublier qu'une langue naturelle a des règles, une logique d'utilisation contraignante, et qu'elle constitue un instrument précieux dans tout processus qui engage une pensée. Pour ceux, évidemment, qui sont convaincus que la science pense, n'en déplaise aux philosophes de la science ne pense pas. Les grandes œuvres scientifiques peuvent se lire plusieurs fois et ne pas s'épuiser de ces répétitions, c'est peut-être à cela qu'on les reconnaît. Le problème avec la langue naturelle est qu'elle laisse une part au sujet, ce qui la rend suspecte aux yeux de la pureté scientifique. Pourtant, qui peut dire qu'il sait exactement ce que son cerveau pense?
Nul relativisme à chercher là, cependant. Le caractère universel des découvertes, leur statut de vérité demeure au moins provisoirement. Mais là encore, faudrait-il distinguer. Il y a ce qui se décrit de mieux en mieux avec le progrès technologique, et il y a ce qui se théorise et n'est pas à l'abri d'une révolution. C'est dans cette contradiction, la présence d'un sujet et la nécessité de l'éliminer au cœur du travail des scientifiques, qu'on pourra peut-être penser ce qui les rapproche des artistes, mais aussi ce qui les en sépare. Cela mérite en tout cas une discussion allant au-delà des catégories du beau, du bien et du vrai. Je vous remercie et vous souhaite trois belles journées. Bienvenue, mesdames et messieurs, chers amis, et merci pour votre présence. Afin de vous rassurer, je me suis chronométré. Ce mot d'accueil et des remerciements ne devrait pas dépasser 5 minutes et 44 secondes, à moins d'une sérieuse contre-performance de ma part. Ce colloque participe, comme vient de le dire Alain Prochian, à la célébration des 20 ans du Frénois Science National, mais il pourrait également être dédié à la mémoire du grand savant et érudit anglais Darcy Thompson, dont l'ouvrage majeur, On Growth and Form, fut publié il y a 100 ans exactement. Je rappelle que sous le titre Forme et croissance, l'édition française parue au Seuil en 2009, bénéficie d'un avant-propos d'Alain Prochian, à qui je dois la découverte de ce monument. L'organisation de colloques et de cycles de conférences est pour le Frénois un contrepoint indispensable à nos activités de création et de production d'œuvres d'art par nos étudiants et par nos professeurs invités, comme le prévoit notre programme pédagogique, basé sur le passage à l'acte, avec des moyens professionnels et avec un fort tropisme vers les technologies et les langages émergents. Dès l'année d'ouverture du Frénois, un premier colloque intitulé « Plasticité, signe des temps » fut conclu par une mémorable allocution de Jacques Derrida sur Antonin Artaud. Il fut suivi par les figures de l'idiot et tous deux donnèrent lieu à la publication des actes par les éditions Léocher. Vinrent ensuite Vitesse limite dans l'auditorium du Grand Palais à Paris, acte publié par les éditions du Seuil, Lumière des Lumières, publication par les éditions du Frénois, Pensée à la catastrophe, puis Ensemble ailleurs et Lumière de la ville à l'Université du Québec à Montréal qui en publia les actes, et enfin Les inventions de la lumière à Ryerson University de Toronto. Mais je n'avais jamais imaginé être accueilli au Collège de France pour ce nouveau colloque intitulé Le rêve des formes, art, science et compagnie. Et je dois remercier celui qui eut l'idée de me tourner vers Alain Prochian pour lui en faire la proposition, son ami et partenaire pour plusieurs créations théâtrales, Jean-François Perret. Je sais que le généreux accueil que nous réserva Alain Prochian, administrateur général de cette institution et titulaire de la chaire Morphogénèse du vivant, à qui j'exprime ma reconnaissance dans le même temps ainsi qu'au Collège de France dans son ensemble, doit beaucoup à l'amitié et aux fructueuses collaborations entre le grand scientifique qu'il est et l'éminent homme de théâtre qu'est Jean-François. Je rappelle que ce colloque a été conçu comme un moment spéculatif en conclusion de l'exposition éponyme accueillie depuis le 10 juin par Jean Deloisier au Palais de Tokyo, mes remerciements à lui et à ses collaborateurs, et qui se terminera, comme vient d'être dit, dans quelques jours. Certains des scientifiques et des artistes dont les travaux sont exposés au Palais de Tokyo participent également à ce colloque, ce qui constitue à mes yeux une des réussites de notre propos. Les deux événements, exposition et colloque, sont issus des travaux d'un groupe de recherche mis en place pendant plusieurs mois au Frénois sur le thème « L'incertitude des formes », rassemblant artistes et scientifiques de diverses disciplines et piloté par Olivier Périquet, ancien étudiant et aussi mathématicien. Le thème nous a été inspiré par le constat que la question de la forme est au cœur de toute création, celle de l'homme comme celle de la nature, dans le domaine des arts comme dans celui des sciences. Une des intentions de l'exposition a été de faire contrepoids à la tendance fréquente chez les jeunes artistes d'aujourd'hui, fascinés par le cinéma, de privilégier la narrativité, raconter des histoires, au détriment des recherches sur la forme, comme si les formes ne racontaient pas elles aussi des histoires, et comme si les formes n'avaient pas elles-mêmes une histoire. L'exposition a aussi cherché à mettre en dialogue et en collaboration des artistes, créateurs de formes, plasticiens, compositeurs, photographes, vidéastes, architectes, designers, metteurs en scène de théâtre, chorégraphes, et des scientifiques de diverses disciplines qui ne cessent d'explorer, d'interroger les formes que prend la matière, vivantes ou inanimées, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, ou encore dans l'infiniment moyen, comme disait Jean-Luc Godard aux étudiants du Frénois, en situant l'œil du cinéma, la caméra, quelque part entre le télescope et le microscope. Dans l'exposition comme dans le colloque, plane certaines questions telles que « À quelle forme rêvons-nous »« À quoi nous font rêver les formes ?»« À quoi rêvent les formes ?» Et l'on pourrait encore ajouter ceci « Le rêve est-il une forme ?»« La forme est-elle un rêve ?» Pour ma part, c'est une phrase de Victor Hugo dans « Les travailleurs de la mer » à propos de l'océan et des vagues
qui me fit rêver à ces questions. Tout se déforme, même l'informe. Au sein du groupe de recherche, les rencontres et le dialogue entre artistes et scientifiques ont été passionnants et fructueux. On y découvrit que la cloison entre art et science n'est pas étanche. Il y a de l'art dans les sciences, il y a de la science dans les arts. Je remercie vivement tous les participants. Ainsi, on peut voir exposer au Palais de Tokyo aussi bien des images scientifiques, telles qu'elles sont mises au point dans les laboratoires, que des travaux d'artistes influencés par les avancées de la science contemporaine, ou encore, et là réside un petit miracle, des œuvres résultant des échanges entre savoir et création, entre artistes et scientifiques. Ces résultats sont à ce point exaltants que la relation entre art et science devient l'axe principal du projet d'un super frénois que nous espérons mettre en chantier pour les années à venir, si possible en faisant appel aux mêmes amis, afin que ce 20e anniversaire ne soit pas seulement la célébration de la place que nous avons acquise dans le champ de la pédagogie et de la production artistique, mais qu'il soit aussi le point de départ d'un nouvel élan, une sorte de refondation prolongeant et amplifiant la multidisciplinarité programmée dans le projet fondateur. Nous sommes ici dans un sanctuaire de la parole savante. Je ne puis oublier, dans mon passé d'étudiant, être venu écouter ces maîtres qui étaient Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes et Yves Bonnefoy, ce qui s'avérait décisif pour la découverte et la bonne compréhension ultérieure de leurs livres. Certes, le savoir se transmet par l'écrit, et aujourd'hui le plus souvent par des publications en langue anglaise, mais jamais la transmission n'est aussi forte et efficace que lorsqu'elle est portée par l'émotion d'entendre directement la parole d'un savant, d'un créateur, dont l'empreinte s'inscrit dans la mémoire des auditeurs avec le timbre d'une voix, le rythme d'une élocution, les expressions du visage et les gestes qui accompagnent la parole. Ce dispositif permet aussi l'échange avec le public, et je vous y invite vivement. Je salue enfin le fait que la langue que nous allons écouter est le français, dans toute son excellence, à dire aussi bien la pensée et le savoir que les sensations et les sentiments. C'est donc la parole des chercheurs et des créateurs dans sa dimension d'oralité qui est à l'honneur aujourd'hui, même si les actes de ce colloque seront utilement publiés par les éditions du Seuil, dans la collection Le genre humain, idéale pour accueillir cette diversité d'enjeux, créée et dirigée par Maurice Hollander, que je remercie chaleureusement. Je souhaite exprimer ma gratitude à Alain Prochian pour avoir en outre largement collaboré au programme en invitant certains de ses amis artistes et scientifiques. Et bien sûr, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre invitation commune. Mes remerciements enfin vont à un des plus fidèles collaborateurs du Frénois, Jean-Claude Conesa, ici présent, philosophe, ancien inspecteur de la création artistique au ministère de la Culture, qui, une fois de plus, a accepté la tâche difficile de présenter les orateurs avant de conclure ce colloque par une de ses synthèses dont il a le secret et le talent. Bonne écoute donc, et merci pour celle que vous venez de m'accorder pendant, je vérifie, 5 minutes et 44 secondes.